Bien, eh bien, nous nous retrouvons pour ce jeu, donc Décision médiévale. Donc, allons-y. Donc, on en était où? Ouais, on avait dit qu'on allait attaquer la troisième zone. Donc, on va continuer. Donc, on va partir en exploration. Voilà. Alors, toujours pareil. Donc la dernière fois, on avait quand même élevé nos deux tavernes au niveau 1. Nos deux tours au niveau 1. On n'avait pas construit de porte, mais... On va essayer d'aller... Bon, quand même, avec l'armure, hein, on prend nettement moins cher. Il y a quelque chose là. Ouais, mais il me faut le crochetage. Non. Je peux vider l'entrepôt. Ok, très bien. Sur mon chemin, les mecs. Une bonne idée d'être sur mon chemin. Ok, donc ça nous en fait deux et il nous manque la tour. Oula, il y a du monde. Pas me faire chier, moi. Est-ce qu'on essaye de se faire le nickel alors? Ou allez, on va se faire un peu d'argent. J'en ai besoin pour mon équipement. Il faut vraiment que j'améliore encore mon équipement. Ah, tiens. Je suis tout seul. Il en manque un. Il en manque un, il est tout en haut. Ah, ok, il était couché en fait. Allez. Ok, on a débloqué la zone. Alors, ici on a également une mine. Mais je pense plutôt qu'on va débloquer d'abord dans un premier temps la tour. Ah ouais, mais ici je crois que ouais, c'est ça, la taverne elle est dans la mine ici. J'ai un doute. Bah allez. On va d'abord déverrouiller la tour. Ouais, c'est ça. Il y a pas la taverne n'est pas ici. Bah ça fait rien, on trouvera la taverne deux jours comme ça. Un peu nettoyage avant de commencer, hein, mais... faudrait vraiment le détecteur de vie. Voilà. Hop. Donc on en a un. Ça, c'est notre objectif. Et 7 de plus en...
Oula, il y a du monde là. Il y a du monde. Ok, et j'ai le dernier. Alors là, ça, faut faire attention. Le ça, là, ça explose et c'est assez violent. Ah ouais, alors attendez. Alors, ça, il me faut. Oh zut, si je change d'arme, ça arrête la fouille. Bon. Ok. Bah, j'espère que je vous donne quand même envie de jouer à ce jeu. Je suis désolé, hein, je suis pas extrêmement réactif, mais j'ai ce rhume là qui me prend la tête. Donc évidemment. Oh, c'est pas vrai, lui ils sont balèzes. Il y en a un qui est passé, c'est trop fort rien. Allez, hop, et on rentre à la maison. Pendant que j'allume mon chat. Excusez-moi, il fallait que je me mouche. Alors. Non, c'est pas vrai, il nous rattaque ici. Allez. Il me semble que si je laisse passer, ça, on tombe à 50% de menaces. Donc ça vaut pas le coup. Enfin, remarque, la première zone n'est pas une zone très très importante parce que bon, il y a. Comment dire? Ok, bon, bah lui il est passé. Enfin, le chien il est passé, tranquille. Ok. Donc on reste. Ça reste sous notre contrôle. Et on va pouvoir passer à la mine. On a assez de ressources pour cela. Donc on y va. On va pouvoir. Ah oui, puis il y a la taverne aussi à trouver ici. Donc, raison de plus. Alors, je suppose que la taverne est à gauche. Faux, c'est la mine. Eh ben, tant mieux. On se barre. Pendant que les ennemis de la mine sortent, comme ça au moins on les aura tous en un gros paquet. Alors je suis pas sûr qu'il y ait
deux maîtres d'armes ici, hein. Il n'y en a pas dans tous les. Dans tous les quartiers. Ok, voilà. Bon, j'ai trouvé le. Comme ça, j'ai trouvé la taverne. Bah, il me reste plus qu'à retourner à la mine, démolir tout le monde. Alors, il y a les ouvriers aussi à trouver. C'est vrai que j'ai pas trouvé les ouvriers. Bon, il y en a un. Alors, je suis passé à côté, tout va bien. Merci, mec. Ici, non. J'ai vu quelque chose. Sur mon radar, j'ai vu un point rouge, mais. Mais un autre point rouge par là. Ouais. On va examiner les bas-côtés quand même. Y a pas d'ouvrier ici. Ah, si, y a un maître, y a un maître ici. Bon, ok. Donc, il y a un maître dans les trois premiers quartiers. Bon, bah, je me souvenais plus de ça, mais. Je les aligne, les mecs. C'est ça, la bande de zombies, quoi. Bon, allez, on retourne rapidement à la taverne. Juste, je change le bas-côté de gauche. Enfin, ouais, à ma gauche, donc. Pour vérifier s'il n'y a pas un ouvrier dans le secteur. Ici, il y a quelque chose. Faut le crochetage. Ici, il n'y a rien. Taverne. Faut vraiment que je fasse le tour des maîtres que j'ai débloqués. Alors, même si pour le moment ils sont encore hors de prix, hein. Juste je vérifie ici. Non, c'est bon. Ici je peux ouvrir. Alors, de nuit c'est un peu plus. Puis en plus il y a la musique d'ambiance qui fait que, hein, mais. Bon, on va tous les dégommer, hein, les. Les zombards. Ce coup-ci, je l'oublie pas ce truc-là. Ok, donc j'en ai deux sur trois. Non, ça s'active pas. Il va encore manquer un ouvrier. Qui est là. Bon, tout va bien. Qui est juste à côté. Ok, et normalement, ouais, c'est ici. Hop. Et ben voilà. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. Bon. On va développer les soldats ici pour réduire un peu la menace. Et après, on va essayer de débloquer bah, justement les autres niveaux pour notamment le quartier, le premier quartier, quoi, parce que. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un truc.
Et mes hommes sont là. Hop, allez, amusez-vous les mecs. Bon bah, il est à terre. Allez, relève-toi. Ouh là 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 là. Réveillez-vous les mecs. Il en reste 7 à buter. J'ai déverrouillé mon micro, moi. Ouais. Olé! J'ai pas vu que le chien arrivait derrière, résultat. Allez, plus qu'un les mecs. Bravo les mecs, allez. Alors, on nettoie la zone du def. Ça, c'est fait. Ok. Eh bah, ça fait du jus de myrtille, hein, tout ça. Ok, je me fais attaquer ici. Et on peut pratiquement tout déverrouiller avec les 100 de ressources qu'on a, mais on va aller à la foire ici. C'est assez random, hein, cet événement, mais... Oups. Il y en a un qui est passé visiblement. Deux. Bon, c'est pas trop grave. C'est que deux chiens. Oups. Ça c'est un peu chiant, ça c'est quand ça fait ça. Ok. Bon, ça va, il y en a que deux qui sont passés, c'est rien. Bon, la menace, en est où ici? On est à 13%. Ici. Ah, on est à 30%. On ferait bien de redescendre un petit peu la menace. On va diminuer la menace ici. On va. Ah oui, l'ingénierie 2, par contre, il me faut l'ingénierie 2. Bah l'ingénierie 2, on va la débloquer, résultat. Hop, voilà. On va même développer, hop, l'ingénierie 3. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, au niveau des maîtres, celui-là et celui-là. Il me manque le maître de la sagesse, mais bon, ça c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ah ouais, on a ça, ça c'est intéressant, ça. Bon. L'arbalète légère. Ah, il me semble qu'elle est pas mal l'arbalète légère. J'en doute, mais il me semble que c'est ça la seconde arme la plus puissante du jeu. J'ai un doute. Mais il me semble que c'est ça. Bon, on va développer la vision de l'Inx. Alors, même si c'est un aigle qui est représenté, mais... voilà. Alors, la vision 2, c'est...
Voilà, ça me permet de voir les alliés. S'il va m'aider quand même pour trouver les... Alors, attendez que je... Ah oui, c'est ça, ouais. Alors, chasseur et empoisonnement. Est-ce que j'ai ça? Les flèches empoisonnées, je les ai. C'est 5000. Ah, vache, quand même. Il y a ça et... et piège, mais les pièges, ça doit être maître de la sagesse. Et j'ai aussi une armure supérieure. Bon. Bref, j'ai beaucoup de choses, quoi. Allez, c'est parti. On garde les archers. Ouais, donc ici on protège, hein, simplement. On doit protéger un maximum, c'est tout. Et donc c'est vrai que d'habitude ce que je fais c'est que je développe la taverne au maximum avant de d'améliorer la tour. Simplement parce qu'on a plus de gars qui nous aident. Quand on, parce que les gars qui nous aident là ça dépend du niveau de la taverne en fait. Donc plus on a développé la taverne, plus on a d'aide ici en fait. C'est bon, ils ont réussi à développer la tour. Alors par contre, on n'a pas d'archer sur la tour, hein, mais ça fait rien. Enfin, pour cette mission-là, je veux dire. Bon, voilà, ça se fait assez rapidement, hein. Au calme. Ouais, ça est-ce qu'on le développe? Oh, ça peut servir. Hein. Ça peut encore plus servir par contre, mais ouais. Bon, on va attendre d'économiser un petit peu. En attendant, est-ce qu'on peut développer encore la mine? La mine c'est 80. Là, on peut dégager déjà la route vers le quartier prochain, mais... Mais comment dire? Le mieux, ça reste quand même rester dans le secteur et essayer de protéger ces trois zones-là. Donc, on va continuer. Je regarde juste à combien de temps on en est. On n'en est qu'à 20 minutes. Ça va. On peut continuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici. Le truc c'est comment? Le truc c'est qu'il va falloir que je gagne de l'argent. Il me faut de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut que je diminue la menace. Donc si j'ai 20% de menace. Donc il faut surtout pas que j'active ça, l'attaque de la tour. Parce que sinon je vais déverrouiller le secteur prochain en fait. Et c'est pas une bonne idée quoi, parce que quand on a trop de secteurs à gérer, souvent ben. Il y en a un qu'on néglige et puis il se fait avoir quoi. Donc parce que le peu par exemple qu'on en est à 90% et puis que enfin ouais à 95% quoi et qu'on ait une attaque sur une autre zone, ben il n'y a pas le choix, on va devoir aller enfin si il y a le choix mais on voilà quoi, au niveau de la gestion c'est pas terrible. Donc vaut mieux c'est qu'on protège un maximum les cités. Et on improvise après quoi. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a la tour de niveau. Ici on peut développer la tour mais... Non, on peut pas mais... Avec quoi? On va diminuer la menace ici. Voilà, on va faire ça, on va diminuer la menace ici.
que j'ai des points verts. J'ai des points verts. Bon, ouais, mais ouais, c'est le camp. On y va à l'arrache, hein, de toute façon. Les zombies encore ça va, hein. Les orques ce sera une autre paire de manches. Il faut vraiment le crochetage par contre. Attendez, juste un truc. Est-ce que ça rapporte un petit peu quand même? Faire exploser les bidons. Ça peut me rapporter un petit peu, autant le faire quoi. Plus c'est marrant, ça fait du bruit. Excusez-moi. Non, 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 te colle pas au bidon du con. Allez, hop, et 100 de plus. Bon, bah il se passe des choses. Ça c'est chiant ça par contre. Et justement quand on aura protégé à 100% un quartier, au moins on sera plus emmerdé à ce niveau-là. J'adore comment les chiens ils volent. J'aime les animaux. Mais c'est un chien zombie. Machine à tuer. Je suis arrivé à combien? Ah ouais, j'ai dépassé 50. Ouais, non, ça change rien. Ok, alors, on peut améliorer quelque chose. On va améliorer une des tours. On va améliorer cette tour-là. Va permettre de réduire la menace, quoi. Enfin, la progression de la menace. La tour. Et encore heureusement que pour le moment on a toujours pas de troll quoi, parce que quand on en aura, mais ce sera l'horreur. Les trolls ce sont des gros monstres, ils sont gigantesques et puis voilà la vie qu'ils ont. Bon alors petit truc hein, au niveau de l'IA par contre des alliés, c'est con, c'est qu'ils nous suivent obligatoirement quoi. Alors que ça serait beaucoup plus sympa si en fait eux par exemple ils restaient là puis ils avaient un petit peu leur propre intelligence pour défendre plutôt que de nous suivre quoi, en fait. Parce que nous on arrive à se débrouiller tout seul sans l'IA quoi, je veux dire. Alors ici on est à 2% par jour, ok. On va réduire encore la menace. Ça sera peinard. On est à 40 par contre. 40. Ouais. On va encore réduire la menace pour gagner un petit peu d'argent.
Et quand on aura assez d'argent, on montera des soldats au niveau supérieur. Enfin, on fera l'entraînement à 4000. Excusez-moi. Ah, par contre, aussi, oui. Bah, je vais vous montrer un petit truc dans le jeu, une petite astuce. Si vous ne connaissez pas, ouais, là encore, on a des orques ici. Ok, il en reste 3. Sais pas, j'en tue un, il me dit qu'il y en avait 3, mais bon. Argent, argent, est-ce que... Non, apparemment, il n'y a rien d'autre. Avec ce truc-là, enfin, il y a toujours les petits tonneaux, mais... Petit tonneau, c'est rien quoi, ça rapporte pas. Ce qu'il me faut, c'est les coffres quoi. Ah, il y a un truc bleu là. Ouais. Ah, je pouvais le fouiller, ouais, comme ça. Ouais, mais bon, je voulais juste exploser le tonneau avant. Ok, 5 de matériel. Ok, allez, on rentre à la maison. Ah ouais, j'ai débloqué que 600, ouais, c'est pas énorme. On fera un truc quand on aura 4000, un truc pour gagner de l'argent. Vous allez voir, c'est assez sympa. Je regarde juste le temps qu'on est. On est à 32 minutes, on a le temps. Autant continuer. Alors, où est-ce que je peux diminuer la menace? Ici, on est à combien? Ici, on est à 12%. Allez. Allez, on y va. S'il y a un truc à fouiller. C'est bien maintenant que j'ai développé le radar, il me dit quand il y a quelque chose à... Si j'ai un coffre, mais il faut le crocheter. J'ai trop près. Ça fait rien. J'étais encore trop près, mais ça fait... Je perds de la vie inutilement, quoi. Les zombies, c'est pas vrai danger, hein. Le vrai danger, c'est moi-même, hein. Allez. À chaque fois, on a la production des mines ici. Hein. Je sais pas si vous avez repéré, mais 4000. Ok. Alors 4000. Ouais, non, pas ici. Pas celui-là. On va développer celui-là. Donc 2%. Donc là, ça va passer 2, 3, 2%. Donc c'est bon. Donc on va être à l'équilibre.
cette zone-là. Alors là, on va faire un truc. C'est qu'on va pas les laisser tuer, on va les buter jusqu'à dépasser les 4000. Nous, on va buter des mecs en fait. Eux, ils vont faire leur travail aussi, hein, mais voilà quoi. Nous, on va essayer de dépasser les 4000 en pièces d'or. Ce qui va nous permettre déjà de rentabiliser ben, la formation qu'on est en train de leur faire. Et puis normalement, en plus, au bout d'un certain temps, on va avoir des trolls qui vont débarquer, mais. J'espère quand même qu'ils auront fait le travail avant, quoi. Ouais, on a déjà un nouveau type de soldat qui arrive, hein. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, ces soldats roses là. Eux sont méga chauds. Allez! Vérifie juste au niveau des autres. Ouais. Bon, on est à 700. Ah, ils ont réussi à détruire tous les. Oh, dommage, on n'aura pas atteint les 4000, mais bon. Habituellement, j'y arrive, mais là, bon, bah. Je les ai laissés faire. C'est qu'on a des bons gars comment? Pour protéger la ville. Oh, attendez, il reste un mec. Voilà. Autant faire les choses bien. Allez. On est tombé à 1400. Mais là, au moins, voilà. On a. Voilà, on est à l'équilibre, quoi. Je veux dire, la menace, elle bouge pas, quoi. Donc, enfin, nous, on peut la faire bouger toujours. Et par contre, on a encore assez. Ah oui, on a assez de matériaux pour faire évoluer une mine. On va aller faire évoluer la mine, là. Elle va nous produire plus. Par contre, voilà, quoi. La menace passe à 6% par jour pour la mine. Alors, on peut servir de la catapulte si on veut, mais. C'est de la merde. Je vous laisserai essayer si vous voulez, hein, bien sûr. Enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. Je vous encourage à essayer ce jeu, franchement. Mine de rien, c'est assez addictif. Voilà, et des explosions, Michael Bay et tout ça. Bon. Les bourreaux zombies, alors eux. Bien sûr, bon. Ça fait rien. Ok, ici on se fait encore attaquer. Au bout d'un moment, on va bien réussir à protéger les trois zones. Hein. Mais je veux protéger les mines en priorité parce que c'est ça qui nous apporte vraiment des ressources, quoi. Parce que le premier secteur, voilà quoi.
D'habitude, on a tendance à protéger toujours le premier secteur parce qu'on se dit c'est là où on a commencé, c'est là où. Voilà, comme ça on n'aura plus besoin d'y retourner. Mais bon. Ah, justement, ici on peut développer la. On va la développer la tour ici. Comme ça sera fait. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que si je regarde. Ouais, on a 40 minutes. Oh, j'ai mon écran qui s'est assombri d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que mon écran s'est assombri d'un seul coup. Allez, c'est pas ma batterie quand même. Non, 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 ma batterie est toujours branchée. Le radar, ça serait peut-être sympa. Désolé pour la toux, hein. Plus 5% quand même. Ah, on peut encore développer ici la. On peut développer la mine aussi. On a combien de temps là? 42 minutes. Allez, on a juste le temps de faire ça et puis on se quitte là-dessus. On va juste défendre la mine. Juste. Attendez, je prends juste un truc. Ah, c'est ma dernière lysopane. Ouais, contre le mal de gorge, moi je prends la lysopaint. Y'a que ça qui marche avec moi, je sais pas pourquoi. Et non, c'était pas un placement de produit. Mais ils viennent d'en haut aussi, j'ai l'impression. Encore oublié d'activer le radar, bien sûr. Oh, joli ça. J'avais pas vu qu'il y avait un bidon là. Enfin, un tonneau. Oh, les mecs là. Oups. À faire. Et je l'ai vu. Ok, on s'est attaqué là-bas. Ça va encore faire baisser la menace, c'est cool. Et on va pas tarder à réattaquer les 4000 en plus, donc on va pouvoir encore faire améliorer une taverne. J'ai dit qu'on s'arrêtait là. Bon, allez, encore un peu. Je vous dis, c'est très addictif comme jeu, hein. En plus, c'est assez diversifié au niveau du gameplay, hein. C'est vraiment sympa.
Allez, nous nous arrêtons là et puis je développerai une des tavernes au prochain épisode. Voilà.